est en train de retentir gentiment, mais ça pourrait bien monter au fil de la partie. Club de Rosmaison, un des plus titrés au niveau suisse. Et très respectueux en supériorité numérique. Jules en pénalité. On connaît l'efficacité du boxplay jurassien, mais attention au boxplay fribourgeois qui est très bien rodé aussi. Et voilà, ça va, on vous le disait. 1-0. 1-0 pour les fribourgeois. Mais rien n'est fait. Les occasions sont là. Le jeu va certainement un peu s'adurcir. On va commencer à être un peu moins gentil avec l'adversaire. C'est une super possibilité. Et ça va ! Et c'est Jérôme Chaffin sur une superbe passe. Le Suisse et Tessinois, si ils arrivent à gagner ce troisième point, où je vous dis voir demain. Attention, Léo Gigax, c'est une possibilité. Léo Gigax, c'est goal ! Léo Gigax, c'est goal ! On va tout tenter du côté du visier, bien sûr, il n'y a plus de gardien. Et c'est goal ! Le plus important, c'est le point de la série. Ouais, grosse aide là. Ouais, grosse occasion là. Pour le Tunisien. Et c'est 3-2. Et c'est 3-2 pour Rosmaison. Et il reste 30 secondes. Et le public de demain va être chaud bouillant. Quel plaisir de voir vous offrir des images de Inai Mokey. Il réclame meilleur joueur pour le Givisier. Bravo Nil, super match, super travail. Et pour Rosmaison, et Joël Villonier, également meilleur joueur de son équipe de gardien, on vous l'a dit durant ce reportage, pendant ce live, les deux gardiens ont sorti un sacré match les deux. Super travail de Joël Villemier et de Nil Regli, les deux gardiens.